Et bonjour Luc, bonjour Adibou, bonjour YouTube. Bonjour. Bonjour. Ah ben, Adibou? bonjour. Ah voilà, j'ai pas entendu. J'espère que vous allez bien, bienvenue. On essaie vraiment de survivre là. Alors survivre, non, je ne dirais pas ça. Bienvenue dans Crusader. Allô? Allô? Ça lague, ça lague. Ça lag, exactement. On essaie vraiment en tout cas de faire ce qu'on peut par rapport à l'Empire d'Hispanie et l'Empire byzantin là qui ont fusionné. Et Luc a bien du mal à gérer tout ça, donc j'essaye de l'aider. Luc envoie de l'or du côté de l'Asgari, ça tient plus ou moins. Adibou devrait mourir. Je suis juste en train de voir ici prestige mensuel, gain de stress moins 10%. On va prendre ça. En Transjurani, Adibou, 75 ans, sans santé correcte. Assez incroyable. On est toujours dans cette guerre-là d'indépendance qui tourne mal pour une partie de l'Empire. Mais a priori, on devrait sûrement y arriver grâce aux troupes qui sont en train de se rassembler. Là, moi, je suis en train d'essayer d'arriver en bateau. Je pense que je suis encore loin. Merde! Mes troupes se sont fait intercepter. Mes troupes se sont fait intercepter. Comme ça. Non, c'est mort, moi, Luc. Je pourrais pas venir. Et plus de troupes. Comment ça? Quoi? Non, mais. Enfin, si, j'ai 7000 troupes. Donc, ça devrait le faire. Oh là, mais il y a des Avec guerres des vues partout. intersectées. Rien à foutre dans la Mais gueule. par contre, Luc, franchement, avec toutes vos troupes, tu peux y aller, hein, là. Mais je fais d'abord le siège. Parce que ce qu'il me faut une assurance défaite, quoi. Assez incroyable. Et voilà, le roi de Jérusalem qui rejoint la guerre en face. C'est vraiment un ploupi, hein. Toi, t'inquiète pas que je vais te faire la guerre et je vais te défoncer. Ok? Alors, le roi de Jérusalem, c'est quelqu'un de ma famille. Bah, je vais lui rouler dessus. Oh là 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 là. Bon, alors 7000 troupes. Je vais quand même essayer d'y arriver chez vous. J'ai plein de connaissances qui meurent. Ces guerres sont dévastatrices. Toutes les guerres auxquelles je participe, alors il n'y en a aucune directe contre moi. Tout le monde est en train de perdre. C'est un tableau assez affligeant. Mais Moi, c'est ça va. celle-là qui nous intéresse actuellement. Ah, toi, là. Luc a récupéré, Luc a récupéré la capitale et donc forcément ça fait moins 50%. Il va y avoir un gigantesque combat de la mort qui tue là. Allez. Allez. Allez, mon petit. Ah, il faut que les alliés se bougent là par contre. Et Mais pourquoi ils pour s'attaquent rien, pas? ils attendent, ces ploucs. Non, 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 ils sont pas concernés par cette guerre-là, Luc. Mais si, ils sont concernés par cette guerre-là, ils sont tous concernés par Non. cette guerre-là. Non, 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 tu as Si. mal géré, tu ne les as pas invités. Si. Luc est quand même assez particulier. Alors lui, Les gens oui. que je tape là, c'est la guerre d'indépendance. Ah, mais l'armée de Spire, ils sont à moi. Non? Mais qu'est-ce qu'ils Non. foutent là? Non, ils s'en battent les reins. Allez là, la vérité. Alors, non, 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 Luc, voilà, à un moment, les faits, rien que les faits, arrête de tout dramatiser, je veux dire. Le roi de Bavière, ok, mais le comté de Spire, elle n'est pas dans le camp des défenseurs, tu les as pas invités pour ça. Bah, je ne peux pas. Ok. Ah, plus 2%. Nom d'un chien. Alors, moi, j'arrive avec 7000 troupes. Go leur capitale. Luc, très vite. Oui, j'y vais, j'y vais. Oui, mais je Non, cours. j'arrive même pas avec 7000 troupes, j'ai avec 5000 troupes moi. Oh là 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 Mais là t'es en là fois là. 1, donc Oui, ça avance pas. pardon. Moi, c'est une catastrophe, je suis en train de perdre toute mon armée. Et ma femme est enceinte. Ok, j'y vais. Ah non, pas par là. Oh là là, je vais te tuer. Ouais, ils vont me couper le. Arrête ton déplacement, arrête ton déplacement. Je peux pas. Si, tu Non, j'étais en. peux. En truc rapide. Oh là 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 là. Mon truc rapide. J'étais en blanc. Et quand la flèche est en blanc, on peut pas faire demi-tour. Mais c'est bon, ça va. Je vous ai tous Mais pour attirés faire demi-tour, c'est sur juste. la colline. Peut-être tu cliques sur la case où t'es et ça te. Mais Pas ça quand te. c'est en blanc. Quand c'est en blanc, on peut pas faire demi-tour. Non, ce n'est pas demi-tour.
Enfin bref, on ne sait pas. Lucas a peut-être raison. Mais là, on a ré... Mais la guerre, elle est finie? Visiblement. Mais tu as une explication? Le cap. Non. Ok. Bon courage pour la suite, Luc. Moi, je peux plus. Trop peu de troupes. J'ai une faction qui est trop forte, là. Cette faction d'indépendance. Je vais un peu me reconcentrer sur l'Asgari. Parce que c'est vraiment pas simple. Les guerres de Luc, là. Il a une révolte paysanne. Bon, ça devrait passer. Et ici, il a une révolte orthodoxe. Ça va être plus compliqué pour lui, je pense. Mais je vais En me fait, ils n'ont reconcentrer. pas de capitale. Ouais. Je vais me reconcentrer un peu sur l'Asgari parce que moi, petit à petit, je vais arriver en fin de règne aussi. Petit à petit. Santé mauvaise. Il va falloir Bah, il est mort. choisir. Ouais. Il va falloir choisir un héritier. C'est toi qui l'as tué? Non, 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 j'ai tué personne. Donc celui-là, il est vif, négociateur, brave, fourbe et indulgent. Alors fourbe, c'est hors de question. Donc toi, je te déshérite. Parce qu'aux yeux des catholiques, de toute manière, ça peut pas être fait. Voilà, donc lui, il n'obtiendra rien. Lui est partial, cupide, paranoïaque, négociateur charismatique. Et alors mon vrai héritier, il est filiforme, sadique. Non, et sadique en plus pour les catholiques, c'est pas bien. On va prendre Geralt. Et donc toi, je te déshérite aussi. On fera pas la même erreur. Donc je n'ai qu'un héritier qui héritera, je l'espère, de tout d'ailleurs. Tous mes royaumes, la Poméranie. Ouais, ok. Donc a priori, c'est bon. On a employé un peu de points de renommée pour ça. Enfin, un peu. Mais c'est fait. Au niveau des factions, ça va. Je vais remonter mes troupes. Est-ce que celle-ci est influencée? On va démarrer le complot. Celle-là est influencée aussi. Ok, j'ai une fille. Ok. Ça me permet de faire une alliance. Duché ici de... Ah, pas mal ça. Pas grave, ça fait une bonne alliance. Ok, on va aller voir Adibou. Ah, tu commences à être souffrant quand même, Adibou là. Ah bon? Les bonus sont visiblement trop sont plus assez suffisants. Vu De ton toute façon, âge, je serai. tu seras averti toi, hein, vu que ta Oh, connaissance du oh, corps, exactement. Bon, Luc, c'est en train de se calmer aussi. Par contre, moi j'ai des guerres d'alliance partout. Mais je vais pas pouvoir les assumer. je suis le premier héritier. Enfin, mon fils est héritier. C'est aussi l'héritier du royaume de Finlande. On refait un truc? Non, Oh mon je... dieu, c'est pas possible, vous faites Bah gaffe. non, elle a 73 piges, elle va mourir dans 2 jours. Quoique non, parce qu'elle a quand même beaucoup de bonus. Mais ça va être terrible encore. Hein. Va y avoir l'Espagne d'à côté et un petit le royaume de Finlande. Voilà mon dieu, ça va être assez incroyable. Ouais. On va être. C'est des tortionnaires. Pourra peut-être aider. J'ai pas joué en tout cas avec. Avec les secrets. Âmes sont forts. Ah, mais c'est la reine d'Islande ça. Ah, je peux pas la vassaliser avec un hameçon fort. Lol. Mais la vassalité, moins 60. Putain, j'ai encore été excommunié, non? C'est pas ça? Paye 150. Non, je crois pas. Je vais l'influencer, elle. Je vais l'influencer parce que je suis certain que l'Islande, je peux vassaliser, quoi. Non, je veux bien qu'un duc obtienne
Tes points avec moi, la foi nestorienne, non. Reclus, non, 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 je prends mal en patience, je vais rester comme ça. Je vais partir à la chasse, je suis stressé. On va aller chasser, ça va faire du bien. Puis après, on fera un banquet. Va attendre que les troupes se calment un peu, je vais te rançonner, toi. Peut créer des titres. Alors, le comté de Marbourg, non. Vous semblez tous d'excellents archers. L'animal est à moi, ils paieront des amendes. Non. Alors, belle fille, donner naissance à un garçon, on verra ça plus tard. Vassal libéré, rançon acceptée. Ok. La chasse prend fin. On va organiser un banquet. Bienvenue. Regardez un peu le territoire des joueurs là. Moi j'avais comme objectif peut-être d'aller en Angleterre, mais voilà. Luc, bah, il est un peu partout et Adibou il est toujours un peu partout aussi. Non, l'Angleterre, je peux y aller, hein. Moi, Oui. c'est la Finlande, c'est Ouais. ultra loin. C'est que tu dis que je suis un peu partout alors que t'es en Espagne, quoi, mais bon. Ouais, j'ai un peu partout aussi, hein, bah écoute. J'ai pas modifié son contrat. Ok. Alors, ils s'attendent à un poste au conseil, on va aller voir à la prochaine. Festoyeur réputé. On va un peu aller voir si on peut pas donner des postes au conseil. Lui, je pourrais le mettre chancelier, lui. Ok. Mettons le chancelier. Elle, je peux pas. Duc de Kent. Qu'est-ce qu'on a f... J'ai failli tuer. Contre qui on a été en guerre, contre qui ça a mal passé. Moins 48. Autre groupe culturel, seigneur légitime. Et ton héritier, né dans la pourpre, sang consacré, ombre insaisissable, confiant, compatissant, humble. Catholique, culture grecque. Et la religion, catholique. Il a pas l'air trop mal, hein, on a dit. Ça va. Ça passe bien, la papauté, c'est tellement répandu ici. Ils sont forts de ouf, hein. 12 000. Ouais. Et le roi d'Italie? Adultère, festoyeur, érudit, vif, logisticien. Bon, t'arriveras avec quelqu'un qui aura déjà du prestige. Faction formée contre vous. Faction pour l'indépendance. J'aime pas ça. Il va falloir l'influencer, lui. Ouais. Elle devient très très vite importante, celle-là. Encore, 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 encore. Et mon chancelier là, influencé. Ah, le problème, attendez. Je vais devoir arrêter l'influence à l'extérieur. On peut t'influencer. Ma fille qui Encore donne une naissance faction. à un garçon. Ah, ouais, non, ouais. Cette faction-là, ça va faire beaucoup par contre. Toi, je vais t'envoyer un cadeau. Mettre en deux. Faut arrêter le coupable. Il se passe des choses de partout. Toi, je vais t'envoyer un cadeau aussi. Mais il veut un poste au conseil, mais je peux pas, je peux pas, je peux pas. Il y en a que je peux emprisonner. 57%. Toi, je peux t'emprisonner ou pas? 75. Et toi? Toi, je peux. Donc, toi, je t'emprisonne. Ça va t'enlever de la faction.
toi aussi. Voilà. Donc ça suffise. Ouais, ça suffit. Parfait. On les influence ces deux-là et puis après on fait ce qu'on peut, quoi. Ok. Toi, je veux bien te rançonner. J'ai combien de titres de duché? J'en ai deux. Okay. Bon, ça a marché. On peut encore construire des choses ou pas ici? Non, les palissades, ça a été trouvé. Palissades ont été trouvées, c'est pas mal. On va aller vers droit divin, du coup. Pas mal pour les guerres, ça. Prochain personnage, il sera négociateur charismatique. Ok, cette guerre-là est perdue. Despot, là, il reprend ça en main. Okay. J'ai deux points d'érudition, je sais pas quoi en faire. Ah, tu... Oh! Je serai morte d'ici un an. Ah, ça va être intéressant, ça, de voir à quel point il va... Oh, j'obtiens un trait infirme. Oh là là, j'obtiens un trait infirme. Ouais, moi, ça sent la fin, là. Ça sent clairement la fin. Bon, je vais donner à mon fils un titre de comté. Oh, bah, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! D'accord, je suis en train de prendre des morceaux un peu partout en Italie, sans faire exprès. Imagine les experts en vidéo YouTube et en stratégie du Moyen-Âge qui vont regarder notre série, comment dire, mais. Ils sont, Parce qu'il y en aura déjà qui regardent notre série jusqu'au bout. Non, ils ont envie d'abandonner. Je comprends pas pourquoi est-ce que mon fils il va hériter de la Finlande. Alors, parce que la reine de Finlande n'a pas d'enfant. Mais alors, pour Marie. Quoi ça revient à toi? Parce que la Finlande c'est une élection. Et ils ont voté pour lui? Et actuellement, ton fils il a obtenu. Enfin, en fait, non, c'est la princesse Maria. Attends, c'est le nombre de voix, ça? Ouais. Où est-ce que tu vois? Trié par score de vote. Ah non, oui, il a obtenu 20 voix. Alors moi, je le vois avec 82 voix, pas. Ah oui, avec 82, c'est là, ok. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il était dans les élections déjà de base, quoi? Ça doit être un... Une bonne question. Les dirigeants et tous les vassaux de jure peuvent désigner un héritier du titre parmi la famille élargie du dirigeant et tout prétendant. À mon avis, dans les vassaux, il doit avoir quelqu'un qui... Ouais. Qui t'a désigné, toi. Alors, pourquoi? Va savoir. Enfin, qui a désigné ton fils. C'est bien. Faction dangereuse à nouveau. Pourquoi tu retournes, toi? Allez, je te paye 225. Faut que t'arrêtes, là. Bon, là, moi, je suis dans le caca dans quelques secondes. Oh, mon Dieu. Pourquoi? 19 membres qui vont claquer une faction pour l'indépendance. Non, allez, la lutte, ça sera tout seul. Nice. Ah non, autant pour moi, 21. Non mais ça va, ils sont que 40 000. Attends, c'est comme... Je vais mourir déjà, je me souviens plus.
Alors là, par contre, je ne Dans vais pouvoir aider personne dans les trucs qui viennent dans les Ah voilà. oui, parce que oui, tu vas mourir, toi. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas d'allié en fait. Il faudra essayer de. Moi, je règle mes choses de mon côté. Et on va es je vais essayer de tuer ceux qui demandent l'indépendance après, Luc. En fait, c'est relou parce que mon empire il est tellement grand que quand je regarde dans les mariages, il y a que des gens de chez moi. Mais ça me fait pas rire du tout, en fait. Soit c'est un plouc, tu sais pas pourquoi, Mais ça c'est pas mal. et Non, il est alors dans cette blague poste. à part, c'est pas mal parce que tu peux faire des alliances avec tes vassaux. Oui, d'accord, mais dans le cas d'une guerre, je m'en fous. Non, si, parce que tes guerres c'est contre tes vassaux en général. Et Oui, donc si d'accord, les. ils vont pas venir me taper. Bah, Mais je t'as peux pas qu'un. demander leurs troupes, vu que je les contrôle déjà. Oui, mais enfin, essaie de faire en sorte que tes vassaux les plus puissants Puissant. soient dans. Voilà, ça il faut bien gérer. Écoute, Luc, voilà, c'est. Enfin, t'es devenu président à un moment. Assume, quoi, tu vois. Non, je suis pas vraiment devenu Je président, hein, parce que je suis pas vraiment devenu président pour le coup, hein. veux dire, c'est. Comment il Voilà, t'a dit ça en mode une leçon de vie, quoi. Parce que c'est notre projet! Je suis retombé, quoi. Il mourra. De chance. On va tous. C'est pas possible. Cette partie va se terminer, mais après on Et met tous un moi? point d'honneur. Oui. On met tous un point d'honneur à pas perdre de territoire. Peut-être qu'à un moment il faudrait se dire qu'on pourrait être un petit peu. Une question d'ego. Nous avons tous ici présents un certain ego. Et donc, nous ne voulons pas perdre du territoire. Parce que s'il y en a qui perd du territoire et pas l'autre, c'est la Alors risée. Marcel. Alors sur ça, je m'en fous un peu, hein. C'est juste que moi, je veux Menteur. pas que ce que soit déconstruit, ce qu'on a construit. Voilà, ça va jouer avec les limites assez longtemps. Alors du coup, pour ma fin de vie, je me suis fait plaisir. Hein. J'ai séduit quelqu'un. Allez hop. Mais le gars, il meurt dans 3 jours. Ah, là, je me suis fait plaisir. Ah, c'est bon, là, on a fait ça au pied des remparts, je peux te dire que... Nous devons être coupables. On sait quand que je crève, là. Va falloir que j'emprisonne quelqu'un. Oh, ça va. Mais pourquoi est-ce que les bots ennemis sont toujours plus intelligents que les bots alliés? Ça va être tellement juste. Faut que je Bon, tente faisons gérer d'autres nos ennemis. choses aussi. Est-ce que je peux pas, toi, te révoquer un titre? Refus, refus, refus. Quand je vais mourir, oh là là, oh là là là. Ouais, tu ne t'attends pas à ce qui va pouvoir se passer après. Allez, il faut contribuer Faudrait que ça à se dépêche quand assassiner les même. gens. Ouais, il est temps que ça se dépêche. On est d'accord. Ah, 85 quand même. T'as été à combien toi, Luc? Moi j'avais déjà été avec un Bon, je crois perso, pas pas avoir dans cette dépassé partie, les mais. 80. Ouais, Non, mais avec dans cette 4. partie, c'était quoi le max que vous avez fait? Je sais pas. Il faudrait regarder, hein. Mais là, c'est Niveau trop chiant de remonter sur les dynasties. Ça y est, j'ai fait freeze mon PC, j'ai cliqué sur go. Allez. Perdre sur un freeze. 62 ans, 77 ans. Ah, mais fallait vraiment pas cliquer sur plus par contre. Qu'est-ce que ça fait mal? Ouais. Putain. Il est beaucoup trop grand mon arbre dynastique là, je suis en full freeze. 70, Il avait 60. 68 ans. Ah, Oh! ah, 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 Oh! ah, Oh ah, là ah, là 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 là! là là Pause, là là pause, pause! là là Pause! là. Alors, l'âme du Kaiserin Hildeburg de Trojenari a finalement été envoyée à l'enfer à l'âge de 79 Allez, ans. on perd! Elle est morte de vieillesse, femme zélée, elle s'est battue pour la gloire de Dieu contre les païens, que l'une des plus grandes guerres saintes de l'histoire récente. Le Kaiser Bartholoméus monte sur le trône, se contentant de ce qu'il a. Ses vassaux pourraient se moquer de sa nature passive. Mais quoi? En Allez plus, hop, il est en guerre. dis-qu'il.
Mais c'est un enfer. Alors, c'est la tranche d'uranie, hein, pas la tranche nuragnie. Enfin, je sais pas ce que tu Ah as oui, dit. du coup, t'es dans ma guerre vu que j'étais allié avec lui. Oh non! Je vais avoir! Du coup, t'es allié avec moi, tiens. Allez Oh hop. merde! Ah oui, c'est vrai. Ah bah, tu vas pouvoir aller aider Luc. Allez, Adib. Attends, mais déjà, c'est quoi ce médecin pourri? Alors, tu Attends. voulais pas faire d'alliance avec moi? Moi, je t'ai forcé. Attends, on va chercher un médecin. Donc le roi d'Italie, effectivement, Bon, bon, roi bon. d'Italie, roi de Transjuranie. Ah, Oh là! par contre, Adibou a très mal géré parce que le roi de Bavière est un de ses vassaux. Mais ça, ah mais c'est le mari de la femme de. Ah mais c'est De con, quoi? t'es marié en matrilinéaire avec la reine de Bavière, Adibou. Sinon, C'est-à-dire? non, t'as un de tes vassaux. Qui est roi de Bavière, mais roi de Bavière, c'est titre honorifique. Parce que c'est une dirigeante en Bavière, c'est le mari de la reine de Bavière en fait. Le roi de Sicile, c'est le roi de Venise. Attends, le roi de Lotharingie. Oh là là, eh ben écoute, Adibou, le roi de Romagne, le roi de Bourgogne, je te souhaite bien du courage. Pourquoi? Ouais, t'as quand même 5 rois. Enfin, je sais pas. Ça va avec tes vassaux là? Ils Bah t'apprécient? ouais, ma foi, ça a l'air d'aller. Ok. Bah écoute, allez, on remet play, c'est parti. Mais attends, mais attends, mais attends, mais c'est... Mais oh, oh, oh! Oh! Calmez, en fait! Je propose qu'on fasse une vidéo YouTube un peu plus courte. Hein, voilà, les autres ont été parfois un peu débordés. Donc on va s'arrêter ici. Je suis curieux de voir comment le roi Bartholoméus de Transjuranie, l'empereur de Transjuranie va gérer la suite. Et puis moi, je vais mourir, je pense, dans la prochaine vidéo. 59 ans, mais santé mauvaise, avec infirme et mélancolique. Du côté de l'Hispanie, bon courage. Merci Luc, merci Adibou, et à très vite YouTube. Ah oui. Alors, où sont mes troupes? Mais qui s'en fout là? Mais c'est un coup. On Mais pourquoi? a dit au revoir. Au revoir!